Coucou YouTube, on est de retour avec Avorpal sur We Warrior Forever, le jeu où on se creuse la tête. Hey, coucou. mais évidemment, on se creuse pas trop la tête vu que on est deux génies. Ça se passe hyper bien. Oui, c'est vrai qu'à nous deux, on a un QI au moins de 150, je pense, donc ça va vite. Hein. Faut pas cligner des yeux. Sinon, le jeu sera peut-être terminé au moment où vous aurez fini de cligner tout ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y en a un qui a 100 et l'autre qui a 50, non ? La répartition, je pense qu'on va laisser ça à notre discrétion, si tu veux bien. Ok. Pas de shame ni rien, voilà, tranquille. J'entends. Oh, dis, je vois qui a le jeu. Ah oui, trop marrant. Je Darth Colette. Tonyob vous a invité à un match. Ah oui, c'est carrément un match, oui, clairement. Alors, attention à ne pas... Attention. Ouais, voilà. À ne pas muter dans le jeu. Hein. Oui. Bon, on lance direct. Ouais, ça marche, on coupe Discord. C'est ça. Allez, ciao. C'est bon, t'as coupé Discord ? C'est bon. Ouais, ça y est. Ah, par contre, ça, t'as mis tes enceintes là ? Oui, c'est un peu fort, ouais. Je m'entends des fois, ouais. Ouais, c'est que là j'ai mis le son comme un gros bourrin. Voilà. Ça va, tu t'entends plus là ? Bonjour, allô ? Ouais, c'est bon. Parfait. Ah oui, d'accord, 11%. On est à 11% du jeu, mon oui. Bah, quand tu vois zone, chapitre 1, on est encore chapitre 1, donc... Ah ouais, putain, mais moi j'avais l'impression... Mais en fait, on est un peu habitué aux anciens épisodes, tu vois. Genre un ancien épisode, là, on serait peut-être à 40%, je pense. Bah peut-être, là, ouais. Ah ouais. Au moins, on en a pour notre argent. Alors attends. Quoi ? Attends, pourquoi ? Ça marche pas quand je fais prêt ? Si ? Non ? Ah mais c'est parce que moi j'ai pas fait prêt. Voilà. Ah, faut qu'on le fasse en même temps. Ah, c'est rigolo, oui. Ça. Oui, mais c'est un peu décalé, hein, là, c'est juste que voilà. Oui, bref, oui. Et ben, à tout de suite dans le jeu. Hein. Ça marche. Mais en fait, j'avais pas vu. Ah, attends, le temps que ça charge, tu m'entends encore ou pas? Oui, là, je t'entends, ouais. Oui. J'avais pas vu, oui. En fait, qu'il fallait appuyer à peu près de manière synchronisée la première fois, c'est pour ça. Ouais, à peu près, hein. Oui, mais sinon, la porte se réouvre, et du coup, c'est fini. Et oui, c'est malin. Allô ? Oh non, ça marche pas. Oh, dis-moi pas que ça marche pas. Allô, tu m'entends ? Il m'entend pas. Allô ? Oui, alors je t'entends, mais tous mes contrôles ont été changés. Attends, je fais juste une petite... Enfin, je refais les contrôles. Ça marche, j'avais peur. Non, moi c'est bon. Je peux même courir. Hop là, je cours et je cours. Je me raccroche à la vie. Je peux pas me suicider en sautant dans la fosse. On était descendu à la fois. Ah merde! Je fais une connerie là? Ah oui, il y avait le gars qui s'était barré là! Oh là là, le jeu m'a foutu en l'air tous mes contrôles, je ne sais pas comment c'est possible. Ah mais t'as vraiment pas de bol, hein. T'es avec moi ou pas, là ? Oui. Je vais dans les égouts. Non mais mec, t'as essayé de changer tes contrôles, c'est l'enfer.
Non, j'ai pas réessayé parce que moi tout marche, alors je vais éviter d'y toucher. Oh merde, c'est un putain de... Non mais déjà, il y a deux fois le menu action, donc en gros, tu... je comprends pas, je comprends pas. T'es toujours dans les contrôles, là? A priori, oui. Je crois que oui. Je crois que j'ai résolu un truc tout seul. Tu m'entends là? Ouais, 5 sur 5. J'ai peur quand même. J'ai besoin de lui. Ah merde, j'ai besoin de toi en fait. Merde, j'entends plus. Je t'entends plus là. Ok, trop bizarre. Quand je vais dans mon... Dans les... Attends, je vais faire un truc. Bouge pas. Ok, je crois que c'est bon. J'ai tout remis en défaut. Mais ouais, bug total là, ce, de mon côté là. Ok, moi je suis arrivé tout en bas, mais j'ai besoin de toi pour ouvrir une grille en fait. Donc je sais pas où t'es, mais moi je me suis faufilé dans les égouts, et après j'ai continué de descendre et je suis arrivé devant une grille. Ok, moi je suis dans un endroit, c'est très stylé là, avec des fenêtres qui diffusent une lumière rouge, et je suis en train d'explorer là, j'arrive. Ah, je suis dans les égouts. Ça sent pas bon. Parce que je suis passé juste avant ça. C'est un labyrinthe. Ça a l'air en fait, mais étonnamment, j'ai réussi du premier coup. Oui, je suis sorti aussi. Coucou Blacky, je peux pas rester sinon je me spoil. Ah bah oui. Ah bah oui. Bon, là tu peux. Là on attend que avoir pas l'arrive. Attends, avec une petite musique, moi j'envoie des SMS. Il tronc quoi. Ah bah voilà, bah tu vois, tu restes pas mais L'essentiel est fait. Merci beaucoup Blacky. Ouais, 33 mois en plus. Mais garde tes sous. Garde tes sous, t'as des trucs à acheter. Je continue d'avancer, hein. Je suis dans une zone assez grande là. Pas de
problème, la musique est chouette et tout, donc ça me va. C'est mon prime. Bah oui, et alors? Et alors? Tu claques ton prime ici, mais du coup tu vas claquer un sub ailleurs, tu vois. Donc... Il est où là? Il est où machin? C'est lui? Coucou! Ah oui, d'accord, en fait on est au même endroit. Traite de rats là. Look at them. Absolutely clueless. Oh, hold still a while, won't you? Oh, I apologize for receiving you in this state. I would have cleaned, but these bonds cannot be broken. Only my king and set me free. Penance! He calls this penance! I say he's proving a point. 2350. Ouais, bah ouais, clairement. Do you hear? Alors que t'as pas besoin de faire ça maintenant, quoi. His soul is merged with the keep. All you see, my king is. And my king sees all he is, and yet he sees you not. Isn't that delightful? Your greatest gift is being utterly unremarkable. So unlike myself, so practical. Now, in you go. Ok. Quoi, il y a le Joker dans le jeu? Je sais pas, mais putain, la... Oh, la zone, elle est immense. Le 1, j'arrive là. Ok, moi je suis au niveau de la porte 5 là. Il y a des numéros un peu partout. Est-ce qu'il faut rejoindre l'autre bout? Moi j'essaie d'avancer là pour l'instant. Je suis au niveau du 2, mais j'ai l'impression d'être bloqué. J'ai un truc qui me barre la route, moi. Ah oui, je te vois, t'es juste en face, là. Enfin, pas en face, mais t'es sur le côté, là, le... Mais j'ai un peu le même problème. Tourne dans le 2. Ah, je suis retourné dedans et je suis arrivé ailleurs. Ah oui, mais moi c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, mais à chaque fois je bloque aussi, ouais. Non, ça m'en remet dans le 1. Dans le 1, je suis arrivé là. Il y a un truc là. Ah, tu viens de m'ouvrir un passage. Ouais, j'ai l'impression, ouais.
tu viens de m'ouvrir un truc. Levier. Ouais, ça m'a ouvert le passage. Ah, faut que tu réactives le même là, a priori. Yes, nickel. On voit pour le reste. Ah, vas-y, réactive encore le. Le encore, mais... Ah non, merde, ça m'a keblo. Attendez, hop. Et coucou Black & Decker. Ok, j'arrive sur un interrupteur. Je devrais peut-être pouvoir te débloquer un truc. Je me suis débloqué. Toi, t'es où? T'es bloqué là? Ouais, c'est bon, tu m'as débloqué quelque chose. Ça mène pas. Ça mène nulle part. Ah si, attends, je peux... Réactiver s'il te plaît. Est-ce que tu peux réactiver le levier que tu viens d'activer? Là, je t'ai bougé le verre, est-ce que ça te change quelque chose? Ouais, mais non, parce que... faudrait que tu... Si tu trouves du rouge, je suis preneur. Est-ce que c'était pas le premier levier, le rouge? Si, mais il est méga loin, j'y ai plus accès. Ah, il va falloir que tu y retournes. J'essaye. Active-moi le vert, là. Et réactive le verre encore une fois. Et encore le verre. Et là, je viens de toucher au rouge, là. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'il y a un... C'est quoi la forme? C'est un cœur? Ouais, c'est un cœur dessus, ouais. Bah, c'est bizarre parce que j'ai deux cœurs de mon côté, mais vas-y, réactif pour voir. Il est où le 6? Et toi, tu n'as pas de verre de ton côté, hein. Si, j'ai un verre, moi, de mon côté. Mais tout en bas, je crois. Je bien... Tu peux l'activer? Là, non. Non, là, j'y ai plus accès. Ok, putain, c'est le bordel, hein, parce que moi j'ai qu'un levier vert, et quand je te donne les accès au rouge, moi je perds mes accès au vert, en fait. Ah non, c'est bon, my bad, le vert il était toujours de mon côté aussi. Ouais, je viens de voir, ouais. Donc là, t'as pas accès au vert, hein, on est d'accord. Là, j'ai pas accès au vert, non. Et est-ce que t'aurais vu un levier jaune par hasard? Oui, mais le jaune, il m'est inaccessible pour l'instant. Là, en fait, moi, je suis quasiment de retour au début, hein.
Ok, ce qu'on va faire, c'est je vais te redonner l'accès peut-être au rouge. Le rouge, je suis à côté. Ah, bah au vert alors dans ce cas-là. Donc dis-moi ce dont tu as besoin pour accéder au vert. Là, j'ai besoin du vert justement pour accéder au vert. C'est vrai qu'on peut se regarder en plus, là, je te vois, là. Vas-y, vers encore. Et vers encore. Ah non, merde, ça, c'est le jaune. Ah, t'as trouvé le jaune. Ah bah, jaune qui... Reste à côté du jaune, s'il te plaît. Tu peux activer le jaune pour voir? Tout le monde, coucou à quoi? J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour le raid. Ah putain, à chaque fois il y en a un qui bloque là, c'est le vert qui me manque moi. Coucou Alidreal, coucou Terre. On est avec Avorpal sur We Were Together, le dernier qui nous reste à faire. Bah, attends, le vert, j'y ai accès moi. Ah trop bien. Bah vas-y, je veux bien que tu l'actives s'il te plaît. Ah mais le fait d'avoir activé le vert, ça a désactivé le jaune de mon côté. Ah attends, c'est bon parce que j'ai accès aux deux. C'est bon, j'ai encore accès au jaune, je vais te redéactiver le jaune. J'espère que c'est bien passé le stream. Trop bon souvenir. Ah là c'est pas mal, là j'ai une belle ligne droite. Regarde comment on s'en sort. Attends, reste ici, je te refais le jaune. Vas-y, avance là. C'est rigolo, je vois son bouton qui s'allume. Vas-y, redésactive le jaune. Comment ça s'est passé Comment ça s'est passé le Karcher? Ouais, c'est pas terrible. Je suis bloqué là. Attends, je regarde un peu de mon côté. Enfin, je regarde de mon côté pour voir ton côté. Là. Le 7, il a accès là et là. Là, il faudrait qu'il prenne le 8. Le 8, ça le mènerait où? Le 8, ça le mènerait tout en bas là? J'ai mon stream qui a crashé. Ah merde, ah bah. Putain, c'est. Techniquement, c'est l'enfer. C'est top, j'ai bien avancé. J'ai passé un excellent moment. Bah cool. Encore merci beaucoup pour le raid. Moi, ça fait une semaine que j'ai pas streamé. J'ai passé 3 jours vachement bien à Cherbourg. Je me suis fendu la gueule, c'était cool. Donc voilà, je reviens en forme. Je suis perdu, je suis tout seul. Mais non, je serai là toujours pour toi. N'importe où, quand tu voudras. Est-ce que tu iras où tu iras où j'irai? J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Ok, ça me va. Mais là, si je te réactive le jaune, ça va te faire redescendre, en fait. Donc, pas vraiment d'intérêt. En fait, il faudrait que tu arrives au 8. Le 8, faut que tu sois au 6.
Prends la porte là, prends le 7. Ah merde, non, je me suis planté, fallait que tu restes en haut. Désolé. Du coup, là, je réactive et faut que tu remontes. Let's go. là, reprends le 7, du coup. Wouah, c'est un toboggan! Ah mais lui te mène ici. Alors attends. Mais après le 6. Putain c'est pas dans l'ordre. Comment on te fait aller au 9? On te fait aller au 9. En bou... Là si tu bouges le... ah non merde, t'es au-dessus. Faudrait que je te bouge le... Attends je te bouge le vert. Vert en fait, il faut du vert je pense. Et remets le jaune pour voir. Coucou Altar. Ah et réactive le vert. Je peux pas accéder au vert sans rebouger le jaune. Et de toute façon ça te ferait aller au 7 qui te servira à rien là tout de suite maintenant. Attends là faut que tu... Là si tu descends tu arrives au 6. Le 6 il te débloque le vert. Attends, là, le pont, il serait pas trop mal. T'as un rouge pas loin, là? Non, moi, le seul levier que j'ai, c'est le vert, je crois. Hein. J'ai pas trouvé de rouge. Attendez, là, le vert. Mais non, faut que je le fasse descendre jusqu'au 6. Ok. Je crois que j'ai mon ampoule qui a grillé. Je suis maudit ce soir. Attends, re-rentre dans le 6 là. Y a pas la distorsion de ouf sur la voix cette fois. Si, il est toujours. Attendez, il change son ampoule. Attendez, il change. Non mais il y a rien qui va. Des bisous à quoi, cœur avec les doigts et cœur avec les grobes évidemment. Merci encore beaucoup pour le raid. Ouais désolé j'avais un souci de lumière. Pas de souci. Donc vas-y là tu remontes et tu t'arrêtes au 8. Là, tu t'arrêtes là. Donc là le vert je le fais remonter. Il redescend. Alors bouge pas pour l'instant. Pourquoi t'as bougé? Ah j'ai pas bougé hein. Retourne dans le... Ah non, je te regardais faire. Hein. Ah merde, là ouais, t'es bloqué. Attends, 8. Ah non, vas-y, re-rentre dans le 8 et remonte. Jusqu'au premier palier, tu t'arrêtes. Là, non, tu vas trop loin. Reviens là, tu t'arrêtes là. Ah, là je suis au 9. J'ai un levier bleu. Alors le levier bleu que t'as activé te permet de monter depuis le 7.
Attends, je t'active le... Ah bah non, l'orange, je pouvais pas pouvoir. Si, je t'active l'orange. Ah mais du coup maintenant il faut que toi tu accèdes au bleu aussi. Faut peut-être que je te fasse accéder au bleu avant que tu puisses pour que tu puisses m'aider aussi. Ah bah oui, il y a un vert de l'autre côté. Aïe, merde, ouais. Donc moi il faudrait que tu trouves, tu vois, il faudrait que tu aies un jaune quelque part. Moi j'ai vraiment pas vu de jaune, hein. Je suis en train de regarder, effectivement, t'as pas de truc jaune, toi. Ah, mais regarde de mon côté. Comment je peux accéder au-dessus là? C'est quoi la porte qui est à ma droite pour me faire monter? En bas à droite, c'est la 4. Et juste au-dessus, c'est la 4 aussi. Non, la 4, elle est alignée, elle est à l'horizontale, t'as 4 et après 4 à droite encore. Et ok, et du coup, comment je peux monter juste au-dessus de ma tête là? Tu sais comment je peux y arriver? Bah ouais, mais c'est avec du jaune. Alors, active le jaune là. Voilà, et bah ouais, mais du coup, quand une fois que. Là au-dessus de ta tête, c'est un levier vert encore. Ouais, je sais, mais en fait, là, tu vois, là, je peux accéder ici. Ça, j'ai pas de problème. C'est là où j'activais le vert tout à l'heure. Mais en fait, il faut que j'aille en face. Enfin, il faut que j'aille de l'autre côté, là. Et donc, il faut que le jaune soit activé. Ok, je crois. Attends, c'est bon. Laisse-le comme ça. Va falloir que je réaccède au bleu, en fait. Par contre, je sais plus comment on y est arrivé jusqu'au bleu. Faut que je te réouvre le verre. Je te réouvre le verre, je crois, là. Ah, attends, je suis en train de regarder. Seul moyen, en fait, de te faire accéder en haut, là où tu veux aller, il faut que j'active à partir du. En fait, faut que j'active un levier bleu, en fait. Ok, ça marche. Mais faut pas que tu touches au jaune. Ou alors de manière temporaire, alors attends, là déjà, faut que je te fasse retourner au bleu. Je suis en train de regarder. Là, le 7. Là, ça te fait monter. Là, ça te fait bloquer. Comment t'es arrivé ici tout à l'heure? Comment t'es arrivé ici tout à l'heure? T'es arrivé ici via le 9. Le 9, t'es descendu. Ok, j'ai trouvé. Bouge pas là. Allez. Tu descends jusqu'au palier. Là, tu t'arrêtes. Et là, tu peux monter et tu retrouveras le bleu là. Ok, alors là, je suis devant le levier bleu. T'es au niveau de quel chiffre là? Tu peux accéder à la porte 4?
Je te vois. Descends. Remonte pour activer le jaune là. Et si tu actives le vert, ça fait quoi en haut là? Ça bouge les verts. Oh putain, le la galère que c'est! Parce que en fait, ce qui est compliqué, c'est que toi, tu as accès à beaucoup de leviers. Moi, en fait, une fois, là, j'ai accès au bleu, mais il faudrait que j'ai accès au vert aussi, en fait. Mais sans que toi, tu aies besoin d'interagir, tu vois. Est-ce que tu vois où il est mon levier vert par hasard? Il est au niveau du 6, ton levier vert, et le levier 6. Tu as accès depuis soit le 6, soit depuis une plateforme du 5. Et la plateforme du 5, après, il faudra que tu actives le rouge. Sauf que le rouge, tu n'y as plus, t'y as pas accès, il n'y a que moi qui ai accès. Ben oui, c'est ça le problème. Ah, c'est bon, j'ai. Descends jusqu'au jaune. Et active-le. Ah bah oui, mais non. Ah merde, désolé, j'ai eu une fausse joie là. Vive la coop. Ouais. Regardez-le, on dirait un hamster dans une roue. Ah, attends, t'as peut-être si t'as accès au bleu. Ah non, t'as pas accès au bleu, toi. Hein. Bah non, pas encore, c'est ce qu'on essayait de faire. En fait, c'est le jaune qui emmerde à chaque fois là. En fait, il va falloir trouver un moyen pour que je puisse accéder aussi à un deuxième levier, sinon je peux pas t'aider. Je pense que c'est vraiment impossible. Bah là, le prochain, c'est le vert, donc j'essaie de te rebouger le vert. Mais il faut que je puisse accéder encore au bleu, et ça me paraît compliqué. Là, il y a le rouge qui est pas bon, en fait. En fait, ouais, le rouge fait chier. Non, non, mais retourne là où t'étais. Je vais activer le rouge, mais dans l'autre sens. Mais faut que je redescende complètement, en fait. Je te réactive le vert pour que tu puisses. Le vert et le jaune pour que tu puisses remonter au niveau du 7. Ah, mais voilà, mais là, le fait de faire ça, en fait, ça me bloque l'accès au bleu. Oh putain, c'est galère.
Ouais, mais je pense qu'il faut qu'on monte à peu près de manière synchronisée, en fait, tu vois. Là, t'as trop d'avance sur moi, et je pense que c'est pour ça que ça bloque. Oui. Comment le faire redescendre ? Attends deux secondes ici. Non, mais attends, repasse pas la porte. Là, faut que je te fasse aller sur la plateforme, là. Et après... Merde. Attends, le 7, il est là. Si je l'inverse... On fait descendre ici. C'est quoi, ces conneries ? C'est quoi, cette connerie de jeu ? Attends, il y a le 8. Le 8, il mène tout en bas. Comment je te redonne accès au 8 ? En fait, c'est le 8, la clé. Le 7. Bim, bam, boum. Jaune. Après, le rouge, mais moi, le rouge, je peux plus l'avoir. Attends, on va... Reste ici, je réactive le jaune. Vas-y, descends. Là, ce coin-là, tu peux rien faire. En fait, ça, t'es bloqué, là. Ouais. Ouais, ouais. Et si je fais ça... Pourquoi ça marche pas ? En plus, j'ai pas une super bonne vision de ton côté là pour l'instant. Ah merde, là ouais, on pouvait te faire aller tout en haut, mais du coup ça servait à rien parce que moi après je serais bloqué. Mais là on pouvait te faire aller tout en haut, toi. Vas-y, reprends la porte et commence à redescendre. Ah attends, mets-toi sur le vert et reste sur le vert. Ah, il va peut-être falloir bloquer des plateformes, t'as raison. Là, reste là. En fait, c'est ça, mec. Il y a des plateformes qu'il va falloir bloquer en se mettant dessus. Ouais, parce que là, ça l'a bloqué, en fait. Ah, mais attends, du coup, je peux réactiver la jaune et qu'on soit synchro. Je reste sur la jaune, du coup? Ouais, reste dessus. Ah non, ça la bloque aussi de mon côté. En fait, je peux pas l'activer. Il y a une animation de ça bloque. Oh non, sérieux? Mais le vert, on a réussi à le bloquer, à le bouger pourtant. Peut-être pas, je l'avais pas à côté de moi, donc j'ai pas vu si ça bougeait de mon côté, en fait. Ok. Là, vas-y, descends. Je te réactive ici pour que t'ailles au 8. Ok, j'ai le levier vert. Alors, bouge pas. Va falloir que je te ramène au rouge. Enfin, que je retourne au rouge, je crois.
Alors là, c'est la porte 2. Vas-y, active le verre là. C'est monté au rouge. Bon, le 5 c'est le tout départ pour toi, c'est ça? Ah oui, le 5 c'est de la merde. Ouais. Attends, faut que je te fasse remonter. Et après que je... Le rouge, je remonte. Par contre, je suis obligé d'activer le vert, moi. Vas-y, ouais, c'est ça. Et là, je vais réactiver le rouge. Pour qu'il soit dans le bon sens pour après. C'est ça, ouais. Et là, mon souci, c'est le vert maintenant. Ouais, mais le vert, je pense que moi, je vais pouvoir en faire quelque chose. Attends, je regarde. Ah non, merde, je suis bloqué. Ah oui, toi, t'es bloqué entre le 1 et le 2, là, c'est ça? Ouais. Il aurait fallu que tu rappuies sur le vert avant de partir. Ouais, mais comme le vert, c'est sur mon chemin, je suis obligé d'activer le vert pour que ça soit... Tu vois ce que je veux dire? Attends, réactive le rouge juste. C'est bon, merci. Attends, j'arrive. Mets-toi sur la plateforme verte, juste je veux tester un truc. Ah oui, effectivement, il n'y a rien qui marche. Mais il n'y a que la verte qui ne marche pas quand on l'active. Non, non, c'est tout en fait. Dit que même si je vous regarde, qu'on a passé, ça sera le bordel. C'est vrai. Je pense que oui. À moins que tu refasses exactement tous les moves qu'on fait, mais. Ouais, moi, à chaque fois, je suis bloqué par le vert, en fait. Attends, le 6, il est là. Là, si on le fait aller dans l'autre sens. Attends, redescends au niveau du 6, là. Rentre là, active le vert. Et là, si... Ouais, non, si tu descends... Là, tu montes... Ah, attends 2 secondes. Attends, te mets pas dessus. Voilà, t'es Keblo, en fait. Oui, j'ai eu la même fausse joie à un moment donné. Effectivement, le truc, il marche. C'est quoi tout au fond, là-bas?
6. Toi, par contre, là, en passant ta porte 2, là, t'as le pont vert qui est activé et tu peux aller jusqu'où comme ça, hein. Jusqu'à un vert qui fait chier. Ah, tu me coupes les trucs devant le pif, quoi. Ah merde, là, il y aura besoin du bleu, là. Alors, vas-y, reste là. Là, j'avoue, chaud. Je suis pas sûr de... Active le vert, là. À partir d'ici, je vais avoir accès au vert et au jaune, mais plus au rouge. Si tu rentres dans le... Merde, dans le 6, t'es bloqué. Le rouge, il est mal placé sur trois endroits, quoi. Vas-y, réactive le vert. Merde, désolé, j'étais pas au bon truc. Vas-y, bouge le vert. Donc il n'y a pas à tortiller, faut que le rouge soit comme ça. Ouais, clairement, ouais. Bah active le vert et reprends le 6. Vas-y, repasse la porte. C'est encore le vert qui bloque là. Ah. Non, fallait que j'avance, je pense. Vas-y, retourne au vert. Bouge-le là. Et là, bouge le vert et tu reprends le 6 et tu vas pouvoir monter. Attends, non, non, bouge pas, reste ici.
Ah oui, t'as toujours pas accès au bleu, toi. Ouais, nous revoilà au même point que tout à l'heure, quoi. Le levier bleu, il est juste en dessous de toi, c'est ultra frustrant. Je peux pas sauter, j'ai pas le droit. T'as accès au jaune là? Ouais. Bah vas-y, fais-le pour voir. Vas-y, réactive. Ah ouais, non, je suis bloqué là. Putain. Toi, t'as deux verts en fait, c'est ça qui est bizarre. T'as deux leviers verts, t'en vois un qui est juste à ta gauche là. Ouais, je sais, ouais. Mais pour ça, il faudrait que tu me guides avec le bleu, quoi. Et quand t'as le bleu, t'as plus que le bleu de dispo, donc c'est ça qui est chiant. Mais je pense qu'en fait, le levier vert, c'est vraiment moi le truc qui me bloque à chaque fois. Donc effectivement, faut que je te fasse passer avant. Avec le pont jaune, mais le pont jaune, il n'y a que toi qui peux l'activer. Donc si tu peux l'activer, il faut que tu fasses ça. Tac, donc il faut que tu arrives par la porte 4. Et la porte 4, eh ben, on est toujours au même problème. Oui, oui, là, on est revenu exactement au même truc, quoi. Là, je peux le faire redescendre. Je peux le faire redescendre jusque là. Le 8. Le 8, il revient là. En fait, faut que tu me renvoies au bleu. Ouais, mais justement, je suis en train de regarder comment je fais. Ah, vas-y, prends la porte 7, là. Tu descends et tu t'arrêtes au palier. Ça va, ça a été rapide. Ok, donc moi depuis ici, en fait... Ok, si tu descends jusqu'au jaune. Vas-y, active-le. Bah, en fait, le souci, c'est que ouais, à chaque fois, je suis bloqué parce que... Attends. Là, où est-ce que je peux aller? Bah là, t'es bloqué. En fait, le seul... Est-ce qu'il n'y a vraiment pas moyen que je puisse accéder au bleu et au vert en même temps? Et là, c'est là que ça nous débloquerait tout, en fait. Alors, le 9, par ici, de toute façon, il faut que tu descendes. Parce que si je change... Bah attends. Attends, reprends la porte du 9, là. Ah merde, t'étais sur le vert. Retourne au palier du 9. Sans prendre la porte.
Ah non, merde, ça te bloque. Ah oui, d'accord, le vert, il est juste là. Ok. Faut qu'il ait accès au 6. Sinon, un petit Tricky Towers, ça te dit ou pas? Ouais, qu'il ait accès au 8. Et ouais, t'as toujours pas accès au bleu. À chaque fois, je me dis, attends, active le bleu. Bah non. Nope, toujours pas. Putain, mais je suis bien emmerdé là, parce que moi, vraiment, je pense que c'est juste ça qui bloque. C'est que là, à partir de là, si j'avais accès au vert, hop, tu descends. Ouais, c'est ça, je te fais descendre là, et je te fais remonter là, et t'as accès au bleu. Et le problème, c'est que j'ai besoin de toi pour accéder au vert, en fait. C'est sans fin. Oui, oui, moi, c'est pareil. Je suis en train de regarder par où je peux te faire passer, tu vois. Mais à chaque fois, les trucs, ils sont foireux, en fait. Mais faut prendre en compte aussi les téléportations, tu vois, quand tu rentres dans une porte et tout. Genre, là, il y a la 8. La 8, elle est tout en bas. Attends, reste là. Reste là. Là, j'ai bougé ça. Ah merde, je me suis câblo. Là, ça marche pas, mais là, ça va marcher. Et là, t'as accès au 8. Ouais, là, t'as accès au 8. Ah, mais c'est par là que je t'ai fait revenir, non? Je sais plus. Là, le 8. Si je te réactive le vert, tu peux retourner au 6. Et le 6, il te mène au vert. Mais le problème, c'est que là, t'as plus accès au bleu. Ah, attends, j'ai peut-être une idée, là. Renvoie-moi au... Alors, faudrait que tu me renvoies au bleu et après que tu me renvoies au 7. Ok, donc là, j'active le vert. Là, t'as accès au bleu. J'ai quoi au-dessus de ma tête là, tu vois ou quoi? T'as juste une plateforme toute seule en fait. En fait, ça c'est vraiment l'étape finale. T'arrives depuis le 7, tu prends cette plateforme là, t'arrives sur la petite plateforme. Moi je dois activer le bleu pour vraiment que t'ailles à la fin en fait. Donc ça c'est vraiment la dernière étape, c'est vraiment quand moi j'aurai accès au bleu. Ok, mais renvoie-moi au 7 juste pour que je vois un truc. Là, le vert et le jaune. Là, tu y accèdes normalement. Il faudrait qu'il soit sur le 6. Et qu'on mette les... Ouais, j'avoue là, c'est... Putain, c'est complexe, hein. Ouf.
Non mais ça va, c'est pas comme si on était depuis une heure sur le truc. En fait, il faut réussir à comprendre quel levier doit être dans quelle position. Il n'y a que deux possibilités à chaque fois. Mais effectivement, ça doit être étape par étape, mais... Là, il peut aller au 8. Le 8. Si j'inverse le vert, il peut aller au 6. Le 6, il peut prendre le téléporteur. Et moi, c'est sûr, j'ai aucun autre levier. Hein. J'ai que le vert et le bleu. On n'en a pas raté un. T'as que les deux, ouais. Ouais, j'ai envie de vérifier. T'as que ces deux-là. De toute façon, c'est facile pour les retrouver. C'est le symbole trèfle ou carreau ou quoi, mais en plus, beaucoup plus gros. Ouais, ouais, t'as vraiment que deux portiques pour ça, quoi. Je pense que le rouge est pas dans le bon sens. Ça, tu peux me faire accéder au vert d'ici, là ? T'es en 5. Attends, bouge un peu, je sais même pas où t'es. Ah ok, d'accord. Bah oui, faut que tu prennes la porte du 7 là. Tu descendes tout en bas jusqu'au 8. Ouais. Donc t'arrives là, bouge pas. Non, même pas. Comment je te fais retourner au vert là? Ah si, non, bouge pas. Attends, reste là. Voilà, et là tu prends la porte du 6 et t'as accès au vert. Ok, je pense qu'il faut vraiment qu'on parte du vert. Pour moi, de mon côté, c'est crucial. Alors toi t'es là, ok. Ah mais attends, si je bouge la plateforme... Non bah non, il n'y a plus accès à rien. Il y a ça. Mais si, attends, active la jaune. Vas-y, descends. Descends. Voilà, prends la porte 3. Ah, t'as accès au bleu là normalement. Ah, le bleu. Oui. Là, l'objectif c'est que tu me renvoies au bleu. Je crois que t'as même plus besoin de bouger par rapport au vert en fait. Donc attends, le vert. Ok, moi je peux aller tout en haut si je veux quoi. Ah mais du coup t'as accès à un levier vert non ? Là, celui qui est à côté de moi, c'est un levier vert, ouais.
Donc là, techniquement, t'as accès à du vert et du bleu. Là, prends le 6, vas-y, rentre dans le 6. Vas-y, rentre dans le 8. Ah, c'est ça qui manquait, hein. Là, attends 2 secondes que je te fasse passer sur la plateforme. On y est ! On tient le bambou ! Et là, normalement, on peut aller à la fin tous les deux. Oui ! Oh, mais easy, en fait. Ouais, je pense en vrai c'était un peu de ma faute, j'ai mal vu, tout à gauche il y avait une plateforme, c'était simple en fait, mais bon, tant pis. First try, GG. Allez, c'est reparti pour les embrouilles. J'ai un endroit. Oh, je te vois en fait. Ah, je te vois là-haut. Non? Ah oui, je te vois aussi. Oh là là. Ah, la perspective elle est trop drôle. Donc moi j'ai un truc qui tourne au milieu avec des dominos. Ouais, je vois. Moi, j'ai une sorte de petit jouet, là, de cheval pour enfant, là. Ah, attends. Là où tu es, en fait, il y a des portes. Il y a des portes sur lesquelles il y a des symboles. Là, par exemple, c'est une porte où il n'y avait pas de symbole. Là, la porte qui est arrête-toi de bouger. La porte qui est à ta droite, là, celle-là, il y a des cartes, par exemple, dessus. Quand tu rentres dedans, ça fait quoi? Pas, elle est fermée. C'est la seule qui est fermée d'ailleurs. Bah celle qui est à l'opposé là, il y a une godasse par exemple. Celui-là? Ouais, vas-y, celle-là, rentre dedans. T'es ressorti au même endroit? Ça. Voilà, à ta gauche, gauche. C'est fermé, j'imagine. Non, c'est ouvert. Je vais entrer dedans, on va voir. Ok, alors c'est bizarre parce que c'est un symbole accordéon. En fait, t'as une deuxième plateforme à ta droite. Toi, tu la vois pas, moi je la vois, ou c'est un accordéon. Si, devant moi, là, si je la vois. Mais tu peux pas y accéder. Bah si, je vais essayer d'entrer dedans, là. C'était pas la bonne porte a priori. Bah ouais, en fait, il y a une seule porte où il y a un symbole accordéon, mais quand il y allait... Vas-y, retourne. Donc là, c'est tout... attends, derrière toi. Fais demi-tour. Voilà, l'autre. Gauche, ouais. Gauche encore. Encore gauche. Voilà, celle-là. Donc celle-là, a priori... C'est accordéon. Tu l'as repéré? Ok, tourne encore d'un cran. Et maintenant, prends la porte à ta droite, là, tout droit, ouais, c'est là, ouais. Ok, donc faut recréer les trucs, quoi.
Vas-y, fais tourner ton truc du milieu, toi. Encore deux fois. Et là, tu devrais pouvoir passer la porte qui mène justement à la nouvelle plateforme. Un mec, c'est trop stylé. T'es où toi maintenant? Ah ça y est, je te vois. Faut que je fasse quoi moi? Tu vois quelque chose ou pas? Ouais, attends, je suis en train de regarder. Ah, attends, vas-y, fais tourner ton ta godasse là. J'ai vu ce qu'il fallait que tu bouges. Encore une fois dans le même sens. T'avais activé la clé dans cette salle là ou pas? Oui. Et bah là, tu peux passer la porte qui mène à la plateforme gris-bleu là. Ok, j'ai pas de dé dans cette. J'ai pas de clé dans cette zone. Ok, alors toi, est-ce que tu peux faire quelque chose? Je vois pas de. Parce que, en fait, toi, t'as un seul. Là, t'es dans la salle d'accordéon et t'as un seul autre symbole, c'est un luth. Ah, mais si, tourne d'un cran, pardon. Putain, j'avais pas. Je suis pas réveillé. Hein. Ok, essaye de prendre la porte derrière toi. Non, pas celle-là. À droite, ouais. Ah ouais, non, c'est pas bon parce que c'est. Putain, c'est bien la porte lutte, mais. Non, faut que ça soit le trombone, tu vois. Faut que... Enfin, le corps de chasse. Non, mais là, la salle dans laquelle j'essaie de te faire rentrer, c'est un lutte. Oui, mais faut pour faire rentrer, faut que ça soit le symbole qui est au-dessus de la porte qui corresponde. C'est pas le symbole dans la pièce, enfin au centre de la pièce, c'est le symbole au-dessus des portes qui doit être le même. Ouais, alors attends, parce que du coup... Toi, tu venais des dominos, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai pas un corps de chasse, moi, quelque part, sur une de mes portes? Non. Le corps de chasse, il est très loin. Essaye de réactiver la clé, là, où t'es, là. Non, c'est mort, c'est verrouillé, maintenant. Ok, bon, ça, c'est déjà ça. Le corps de chasse, il est vraiment loin, en fait. Il est sur le truc de la chaussure, je le vois. Et de toute façon, on peut pas en transférer un vers l'autre. Attends.
Essaie de tourner ton truc, toi, tiens. Ah, tu viens de perdre ton accès au truc de la godasse. J'ai quoi comme porte, moi? Alors toi, t'as une porte, la porte domino. C'est juste celle qui est tout à côté de toi, là. Et t'as le luth qui est au plein est. Non, mais donne-moi les symboles qu'il y a sur les portes. Pas dans les salles, sur les portes. Bah, c'est ce que je te dis, ouais. Ah oui, tu veux dire juste à côté de toi, là, t'as lutte, carte, tout ça. Non mais tu sais, t'as les symboles sur le pourtour de l'hexagone, et t'as un symbole dans le milieu de la salle. Moi, c'est pas le symbole dans le milieu de la salle que je te demande, c'est le symbole au-dessus des portes. Ah oui, bah c'est ce que je te disais. Du coup, t'as un symbole carte et t'as un symbole lutte. Ok, et carte, c'est les trois cartes à jouer, et c'est la trèfle qui est visible, c'est ça? Je l'ai perdu. En vrai, je t'avoue, je vois pas très bien. C'est peut-être... Ah ben non, mais c'est... Attends. Non, c'est là, je dis de la merde. C'est l'accordéon, du coup. Il est vraiment très loin pour moi, du coup, je distingue de mal. Donc t'as un symbole accordéon et un symbole luth. Attends, le symbole accordéon, un symbole lutte. Accordéon, il est bon. Ouais, accordéon, il est accordé avec la salle qui est à côté. Mais le lutte, non. Ah bah attends, le lutte, c'est toi qui l'as. En fait, le lutte, c'est ta porte à toi. Donc il faudrait que tu me dises... Enfin, c'est... merde, c'est la porte qui est collée à l'endroit où t'es toi. Donc il faudrait que tu me dises. Genre là? Genre à ta droite, là. Non, ouais, non, c'était... là, en face de toi. Là, t'as un luth sur cette porte-là, en fait. Donc faudrait que tu me fasses aligner avec cette porte-là. Tourne d'un cran, toi. Dans l'autre sens, essaye l'autre sens. Encore. Ok, t'es dans le lutte. J'aime trop vos indications précises. Voilà. Tu peux tourner de deux crans, mais vas-y, mets-toi de... Attends, vas-y, bouge. Bouge, et tu tournes de l'autre côté de la barre où t'es là. Tu contournes la barre avant de tourner. Je fais quoi? Tourne de deux crans. Ah. Encore. Ok, maintenant il y a une porte qui est alignée, mais toi elle est fermée de ton côté et moi faut que je puisse accéder à la salle carte. Est-ce que tu peux m'envoyer la salle carte par hasard? Chez moi, c'est où les cartes? Toi, ton symbole carte, il est juste à ta gauche. C'est la salle, pas celle-là, celle de la droite. Voilà, c'est celle-là, voilà. Ah bah donc, faut que je la colle à toi et après, faudra que tu tournes, ok. Attends, mais c'est quel symbole carte que tu as? C'est celui avec, tu sais, le trèfle apparent noir, là. Ok, ça marche. Et vas-y, toi, tourne de deux crans dans le sens où t'étais, là.
Ah, attends. Sors de la porte là. Vas-y, tu tournes deux fois. Ok, donc là j'ai accès à la salle carte. Et maintenant. 1-1-1-1. J'ai quoi comme symbole moi? T'as un chapeau de fou du roi, t'as les 3D et t'as une porte magique. Ok, je veux bien que tu tournes d'un cran de manière anti-horaire, comme nous l'a bien expliqué Silent Janus. Et du coup, tu peux aligner mon symbole de fou. Ah bah, on est aligné sur le fou, là. Ah bon ? Trop bizarre. Parce que je quitte pas la pièce, là. T'es sûr qu'il est bien... Cette porte-là, c'est le fou. Ouais. Bah ouais, on est... Bah, par contre, elle est fermée de mon côté, mais c'est bien le symbole du chapeau du fou, ici. Oh non, mais là, les règles, ça triche, là. Normalement, quand les symboles, c'est aligné, on peut... Ah bah non, parce qu'il y a pas la salle. Pas la salle ? Pas la salle en fait, donc c'est pour ça que tu peux pas y aller. Je suis débile. Ouais, ça va être mieux là. Waouh! Là. N'est stupide que la stupidité, monsieur. J'ai même pas mis les sous-titres, il a dit quoi? Il a dit qu'on était trop stupide pour échapper à son charme. Putain, la salle, elle est vraiment stylée pour le coup. Ouais, c'est super beau. Faut que... On aille au truc où il y a la porte des étoiles, là, j'ai l'impression. Ah oui, moi je voyais une tentacule. Un tentacule. Comment on y va à la porte des étoiles? Alors, la porte des étoiles, on peut y aller via la lyre. Et toi, justement, tu as Amanda Lyre dans ta salle. Faudrait que tu tournes dans le sens anti-horaire une fois. Ah merde, c'est fermé. Ah oui. Comment on peut y aller? Donc c'est peut-être à toi d'y accéder. Il faut que je te fasse arriver via le corps de chasse. Le corps de chasse, tu l'as là. Est-ce que je peux t'aligner au corps de chasse? Il est où le corps de chasse? Il est là pour moi? Exactement. Eh bien, il faut que tu fasses un tour dans le sens anti-horaire. Tadam.
Là, normalement, t'as accès à la lyre, non? Je sais pas, attends. Elle est là, la lyre, là? Oui. Ok, donc là, t'as accès à la porte des étoiles. T'as une sale porte des étoiles. Attends, teste de prendre la porte là qui est juste à ta gauche. Ouais, celle-là, ouais. Ouais, c'était pour tester, mais non, ça marche pas. Ok, et eh ben, il faut qu'on... Comment on te fait accéder à cette salle? En fait, t'as un symbole lutte et un symbole porte des étoiles. Ah, j'ai trouvé le symbole porte des étoiles. Ok. Putain, faut que je retourne à la salle carte. T'es où toi déjà? T'es chez le fou toi? Ok. Tu veux retourner chez les cartes donc. Put. Fou et fou. Ok. Tourne dans le sens anti-horaire une fois. Et là, tu prends le corps de chasse. Non, attends, j'ai raconté des conneries. Non, tu prends les cartes. Mon mauvais. Ah, non, ça a pas marché. Bah si, t'es dans la bonne salle, t'es dans la salle de cartes. Vas-y. Non, derrière toi. Là, vas-y, tu prends là. Ouais, là, ouais. Ouais. Bah. Et voilà, t'arrives dans la salle carte, quoi. Ça va pas marcher. Si, t'es dans la salle carte. Oui, t'inquiète. C'est pour eux que je me mets en retrait. Et pourquoi tu te barres? Moi, je vois le symbole porte des étoiles, là. Alors, toi, tu peux tourner 1, 2, dans le sens horaire. Ça allait péter, putain. Ah non, il y en a deux, faut qu'on le fasse en même temps. Merde, t'es où? Je suis juste au-dessus de toi. Holy shit! Putain, merde, c'est limite la même énigme, mon... Pfff. Sauf que là, on voit les trucs qu'on a chez nous. On doit accéder au masque du fou, tu penses? Aucune idée. Ça me paraîtrait pas déconnant parce qu'il y a un symbole porte des étoiles, mais je vois pas la porte des étoiles. Peut-être ça nous emmène plus loin. Il est où le symbole clé chez lui? Il est où le symbole clé? J'arrive pas à trouver le symbole clé sur une porte.
Oh putain, je suis encore dans une autre dimension. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment ça? Je suis Keblo, moi, non? Putain, je suis Keblo. Attends que tu reviennes, moi, je suis Keblo. Hein. Là, on est d'accord, hein. Tu m'entends? Oui, je te disais que j'étais bloqué, moi. Ah! Moi j'ai un levier. Mais il est cassé. Et moi je... Du coup, merci de... Ouais, bah alors là, du coup, moi, je suis dans une autre dimension avec la porte des étoiles, du coup. Moi, je suis toujours dans mon truc, mais là, je suis bloqué, je peux plus aller ailleurs, en fait. Parce qu'il y a plus aucun symbole qui correspond. Et moi, en fait, je suis dans une autre pièce, mais j'ai ma manivelle qui est cassée. Je peux pas la déplacer. Et tu peux revenir ou pas? J'ai pas l'impression. Est-ce que ça a fait un truc chez toi, ça? Ah, vas-y, continue. Oui, ça, c'était bien, ouais. Ok, c'est quand je bouge des trucs de mon côté, ça les bouge aussi chez toi, quoi. Ça a bougé un truc de ton côté, là? Ouais, ça a bougé un truc de mon côté, ouais. Et attends, ça va m'aider... Ouais. Bouge plus rien là. Ok, je suis arrivé ailleurs et j'ai pu. Enfin, je suis arrivé au niveau du sceptre du fou. Ah oui, je te vois, ça y est. Ah ouais, t'es là? Normalement, tu peux prendre la porte lune. Ouais, j'ai réussi. Tourne un cran dans un sens anti-horaire. Ah merde, non, pardon, deux fois horaire. Encore une fois. Ah, tu peux prendre la porte du soleil. Du coup, je suis de retour dans le truc principal. C'est encore moi qui fais tout. Hein. Non, mais l'œuf, je l'ai déjà fait. Non ? C'est là où j'étais tout à l'heure, ça. La musique, elle est angoissante. Essaie de tourner un truc, toi, s'il te plaît. Oh, t'es au niveau du masque, toi, c'est ça? Ouais, exactement.
En fait, il faudrait, moi, pour sortir, il faudrait que tu accèdes au crâne d'oiseau, là, je sais pas quoi, là. Mais est-ce que tu vois un symbole crâne d'oiseau quelque part? Crâne d'oiseau, c'est un crâne ou c'est un œuf? Non, c'est vraiment un crâne avec un bec. Un crâne avec un bec? Ah oui, je l'ai pas de mon côté et il est loin. Il est loin, le soleil. Non, c'est au niveau de la clé. Moi, il faut que j'aille à la clé ou la Sainte Grenade. Et je peux t'y amener là? Les seuls trucs que j'ai, c'est la baguette du fou, la Stargate et la pièce roi des échecs. Qu'est-ce qu'il a fait tourner? Il a fait tourner ça. Vas-y, refais tourner deux fois, s'il te plaît. Attendez, la pièce. Je l'ai pas faite encore. C'est le truc que j'avais fait juste avant. Attends, ce que je me paume un peu, je sais plus ce que j'avais fait juste avant, donc je vais essayer de le refaire. On recommence deux fois ça? Donc elle touche plus à rien. Ok, je suis du côté de la Sainte Grenade. Je peux accéder au crâne éventuellement. Ouais, si tu tournes, ouais, c'est bon, ouais. Tu peux le faire. Ok, bah moi je peux, je suis du côté de la salle Stargate pas loin là. Comment ça? Bah là en fait, il me resterait plus qu'un cran à bouger de ton côté pour en sens horaire et j'aurai accès à la Stargate. Ah non, mais c'est marrant parce que tu fais bouger. Ah putain, mais c'est ça. Retourne dans l'autre sens, s'il te plaît. En fait, le crâne, c'est toi qui le fais bouger de ton côté. Parce que moi, c'est celui où il y a le, tu sais, le levier qui est cassé, là. Ok, et là, faut que je le fasse bouger comment, du coup? Bah là, il est bien aligné, mais le truc, c'est que... putain, oh, toutes les portes sont fermées, moi, de mon côté. Oh. En fait, je suis bloqué, moi, dans cette salle-là. Je pense que là, la seule chose qui pourrait être envisageable... Toi, tu peux réaccéder à une autre salle d'où tu es, là? Le bâton du fou. Ah ouais, et si tu vas en face, ça fait quoi? T'as accès à la clé là, non? Exactement. Et depuis la clé, je veux bien... Ah putain, ça a encore tout fait bouger ça. Oh non. Ça y est, on est dans le truc où quand tu bouges un truc, moi, ça fout la merde chez moi. Remets. Là, t'es dans la salle de la clé, c'est ça? Est-ce que tu peux tourner d'un cran dans le sens horaire, s'il te plaît?
Mais du coup, est-ce que là, maintenant, tu peux faire demi-tour pour retourner à la salle d'avant? Non, je peux aller à la salle œuf. Ah, peut-être. Ouais, je suis de retour à la salle œuf. Ah, attends, j'ai accès à la Stargate. Oh! Ah bah vas-y, go! Trop facile! Quoi? Oh, c'est nul. Ah, je veux dire, les développeurs du jeu sont nuls, hein, parce que nous, on est exceptionnels. Hein. C'est une bonne idée. Hein. We would use alchemy and rule together forever. But alas, time was our bitter foe. And as my king lay dying, a treacherous demon caught his ear, offering immortality via contract. When death came knocking, King Bartholomeus signed his name right there. But in his haste, never checked for any fine print. That fool condemned his realm and all within to this cold prison. Now, naturally, it's very important. No, absolutely crucial. Nothing happens to his contract, my niece. Mess with the heart of a king, and surely all hell will break loose. Listen carefully, vermin. You'll never get anywhere in life. Unless you learn when to start running. Who dares touch what is mine? You shall pay for your sacrilege. Ha! Come back here! Damn you! Vermin! Il est hyper chelou. Hein. Putain, j'ai un moustique. J'ai un moustique! J'ai un moustique qui veut me croquer le cul. Tu es toujours en vie ? Je crois, mais j'ai froid. On est où ? Au pôle Nord ? On n'était pas en enfer il y a deux secondes ? Ouais, je sais pas, je t'avoue, j'ai pas tout compris. J'ai juste compris que pour une fois on avait passé la porte ensemble quoi. Oui, effectivement.
Attends, d'ailleurs, c'était très digne d'un Uncharted ou un jeu comme ça, t'sais, avec tout qui s'effondre. Par contre, on est d'accord, si ça commence à mal tourner, y en a un qui peut manger l'autre. Hein. Oui, oui, bah, c'est un accord tacite. Ok. T'as l'air tout pâle là, non? Ça va? C'est l'hypoglycémie. Moi, je suis littéralement dans ton corps, mais c'est ok. Oh non, la porte s'est refermée. Non. Show me you understand our pain and sorrow. Show me you are one. Let us rock barriers astray. T'es où, mec? Allô? Oui. Je me suis enfermé dans une pièce. Toujours dehors, toi? Ouais, je suis en train d'une petite salle, mais enfin, il n'y a pas grand-chose. Ouais, je suis Keblo là. Ouais, mais t'es passé par un endroit, mais du coup, tu peux pas revenir. On est déjà séparés là. C'est ça, ouais. Je suis rentré, je suis arrivé dans une pièce. Il y a plein de têtes de mannequins différentes, et je peux les prendre. Ah bah tu peux me passer les têtes. Je sais pas où t'es. Je crois qu'on s'est vu là par là, non? Y a pas un truc où on peut se passer des... Ah y a un truc où je peux te passer les têtes, mais c'est à côté du hibou, à droite du hibou. Normalement t'as un mécanisme, tu vois ou pas? C'est près de l'entrée. Ouais. Tu y es là ou pas? Bah je vois le hibou, ouais. Alors attends deux secondes, tu vas voir, je vais te passer une tête juste à droite. Tu l'as eu? Ok, j'ai pas vu où elle était tombée. C'est vraiment où, à l'entrée, enfin à côté de la porte d'entrée quoi. Ah oui, mais tu l'as remis là. Ok.
Et du coup, les têtes, on a besoin pour quoi, toi? Bah, j'ai des corps sans tête, justement. Ah, attends, j'ai un bouquin avec des biographies de personnes. Ok, parce que là, de ce que je vois, j'ai au moins une sorte de roi avec une sorte de fou. Et un truc, c'était Alar, un truc comme ça. Ah, alors j'ai quelqu'un qui s'appelle Alar Horlogerie, chef de la famille des horlogers. Il a conçu la tour de l'horloge de la chapelle. Il a suivi un apprentissage auprès de la famille Slootmaker pour apprendre à fabriquer des engins complexes qui confondent et dissimulent. Il aime fabriquer des boîtes à puzzle et regarder les gens les résoudre. Aha. Est-ce que t'as d'autres têtes à me passer? J'en ai plein, je vais essayer d'en trouver. Parce que j'ai les portraits en même temps. Tu vois, j'ai la biographie, mais en même temps, j'ai le portrait de la personne. Donc peut-être que je vais essayer de trouver le cum. Bah, le roi, est-ce que c'est le mec qui a l'espèce de... Ah, je sais pas comment on appelle ça, l'espèce de coiffe de prêtre là. Le mec dont tu. Alar, c'est ça? Bah non, tu m'as passé une tête là. La première tête, c'était une moustache avec un mec qui avait un chapeau violet là. Ah, mais j'ai pris ça au pif, hein. Donc ça c'est censé être Alar, ça. Mais enfin, c'est peut-être pas Alar, mais j'avais pris vraiment le premier qui me tombait sous la main. Et passe-moi-en un autre pour voir, parce que ça se trouve, ça donne le nom dès que tu l'as placé. Moi, je vois le nom de l'autre côté. Ah, ok. Ok. Non, c'est pas le roi, parce que le roi, c'est Bartholoméus ou Lénora la reine, ou Yann le prince héritier, ou Emilia la princesse, ou Rudolf le bouffon de la cour, ou Catherine la princesse. Ah, moi, il va me falloir le roi et le bouffon, je pense. Moi j'ai trois bouquins en fait, donc j'ai les Curtons, la famille royale et j'ai un alchimiste, enfin les travailleurs quoi. Ouais, pour l'instant faut se concentrer sur la famille royale. Ok, j'essaie de trouver les têtes royales. Bah lui. Regardez ça. Ok, donc là j'ai Barthélemus, le roi. Faudrait que tu me trouves le boubouffon. The tyrant we resist. Who shelters our secrets and souls? Who keeps out the king and his code? Ok, alors maintenant j'ai une nouvelle scène. Donc l'autre, elle a été valider une scène avec des bâtisseurs, des gens qui construisent des fortifications apparemment pour, je sais pas, pour le roi. Je regarde. Là, dans ceux que j'ai un alchimiste, un directeur de prison, le garde du roi et l'abbé.
Ouais, le directeur de prison, ça peut le faire parce que c'est un mur effectivement avec des portes avec des barreaux. Mais j'ai deux personnages. On voit le premier déjà. Coucou Kazaya. Alors lui apparemment c'est Jan le prince le prince. Ah merde, je me suis planté alors, il ressemblait vachement au directeur. Merde, je l'ai pas du coup. Donc apparemment l'histoire, enfin t'as peut-être entendu la cinématique, c'est que comme le roi devient un peu fou, il y a des gens qui se protègent du roi. Il se transforme en flaque, comment ça? Bah attends, je te refile un, mais j'ai l'impression de pas l'avoir le directeur. Alors lui, c'est Christian, le garde du roi. Je pense pas que ce soit lui. Attends, je recherche d'autres. Christian Gardien... gardien farouchement loyal du roi. Ouais, oui, effectivement, Christian, c'est le gardien farouchement loyal du roi. Ne parle jamais, mais le roi prête toujours l'oreille à ses conseils. Personne ne sait à quoi il ressemble sous son armure, sauf le roi. Le protège même la nuit quand le roi dort. Donc effectivement, lui, c'est pas lui qui peut trahir le roi, quoi. Jusqu'à ce que la bataille lui arrache son bras, garde toutes les... Enfin, c'est fou parce qu'on a eu plein d'énigmes, on avait plein de trucs à faire ensemble, mais là, moi j'ai rien à faire à part attendre. Tuer Arkan et superviser l'expérience, rejeter le bouffon comme un fou. La couronne en matière de foi est obsédée par les cieux, la princesse Catherine comme pupille. Désolé, je lis les bouquins pour essayer de trouver des infos. Chef du clan des Glassblowers, son œil vif, aidé par les lentilles, miroir, sa propre conception, regarde les étoiles, hein, sa tente a conçu. Un autre vitrail à Castle Rock, récemment initié, les habitants dans lunettes de vue. Personne ne connaît mieux maçonnerie. Ah, Ed Steinhauer. Le chef de la famille Mason, personne ne connaît mieux la maçonnerie et la construction sans âge. Elle pense en termes de solutions créatives et aime les tâches difficiles. Elle est capable de s'adapter à des conditions, un environnement changeant, tout comme ses structures. Donc je pense que c'est elle, la maçonnerie. Yes, effectivement. Alors, elle a... C'est elle ? Ça ressemble là, non ? J'essaie de trouver sa tête maintenant. Alors c'est elle ? Parce que là, celle-là, elle est blonde. Celle-là, elle est blonde. Celle-là, elle a de la barbe. Ça ressemble à elle, non ? Avec ses cheveux blancs, là. Je te l'ai envoyé.
Ok, bah maintenant il n'en manque plus qu'un. C'est un personnage qui a l'air de dire chute. Tu vois, vraiment, il est dans l'espèce de fortification qu'ils sont en train de faire là. Et on dirait qu'il fait chute parce qu'il y a un garde de l'autre côté du mur. T'as d'autres infos à me donner, parce que là ça me parle pas trop là. Bah là ça me dit, quand je mets la tête, il dit je fournis un abri contre le vent, la grêle et la glace. À partir de pierres de récupération, cela devrait suffire. Pendant que mes camarades sont occupés avec leurs appareils. Enfin leur app... Bah t'as combien de têtes encore hein? Plein. Est-ce que ça pourrait être l'alchimiste? Attends, je vais regarder un truc. Qui abrite nos secrets et nos âmes? Qui empêche le roi et son froid d'entrée? Ah ouais, j'ai que ça, ouais. Attends, je regarde. Si un miroir sa propre main, les étoiles, les planètes pour s'orienter. Satan t'a conçu les panneaux de vitrail. L'armurier de l'armée du roi jusqu'à ce qu'il y en a assez de la guerre et se concentre aujourd'hui sur le moulage d'objets ornés et complexes. Des anciens techniques de moulage en étudiant les forges. Attends, j'en ai peut-être un en vue là. Ouais, je teste ça, c'est le même chapeau. Ah non, c'est pas ça. Qui peut créer des mécanismes cachés pour faire gagner du temps? Ok, je regarde. T'en as un avec un mécanicien là hein? Il me semble, ouais. Bah non, c'était Alar le truc complet. Non bah c'est Alar qui disait les fabriquer des engins complexes qui confondent et dissimulent. Ah bah vas-y, renvoie lui hein. Oui, en plus c'est l'horloger lui. Ouais, vas-y, envoie. C'est bon. Qui forge. Attends.
Je t'envoie le mec pour la forge. Tu m'as entendu ? Non, je t'ai pas entendu. Oui, je disais, je fais une pause de 5 minutes, j'arrive. Ok. Je crois que des fois, il oublie d'appuyer sur le bouton. Ah là là, mais dis donc, il est pas si simple, hein. Il est pas si simple, ce petit jeu, là. Ok. Ah. De toute façon, enfin, je pense qu'on va jouer encore une demi-heure. Et après, on va s'arrêter. Je commence à être fatigué. Oh, allez, le casque qui se coince. Je commence à être fatigué. Et d'ailleurs, Silent... Quand est-ce qu'on fait du River Tales ? C'est quand le River Tales ? La suite ? Quand est-ce que c'est ? C'était quoi l'autre indice ? Merde. Attendez. Ce week-end, ça va être compliqué. Samedi, je file un coup de main à ma soeur. Et je sais pas pour combien de temps j'en ai. Et dimanche, j'ai dit à Blacky, j'ai déjà dit à Blacky, ok, pour de la bagarre. Elle vient de m'asseoir, je sais pas dans quel état je serai. Ok. Sinon, semaine pro. Semaine pro, alors. Semaine prochaine, c'est parfait. Il faut qu'on continue ça. Oh merde, ça y est. Pause de 2 secondes là. Hein. On peut couper la journée en deux aussi. Hein. Ah non. Non, Blacky. Tu vas jouer 10 heures avec moi, t'as pas le choix. Hein, tu vas jouer 10 heures avec moi. 10 heures de suite. T'as dit oui. Hein. De ménager mon coude. Ah bah. Il a tel, hein. Regrette déjà, elle a raison. Non. Pas de regrettage. Never regrettage. Always fun with Tony Hub. Il fait caca ou quoi? Il va revenir, je vais être endormi. Ah, lumière, Aziz, lumière. Bon, j'ai allumé toutes les lumières. Comme ça, je suis bien. J'ai pas trop chaud. Gratte pas, c'est moi qui lui ai proposé. Bah, des fois, on fait des trucs et puis on gratte juste derrière. Ça arrive. Tiens, un chat. Oh. Ça fait des mauvais jours là. Bon bah voilà. Sinon c'était bien, Cherbourg. Je sais pas si je vous ai dit, mais c'était bien. La ville est un peu morte, mais... Il y a à peu près la moitié des commerces qui sont fermés. Alors je sais pas si c'était la fermeture d'été. Ou si c'était fermé définitivement. Bon, il y avait des trucs qu'on voyait que c'était fermé définitivement. Hein. Typiquement le vieux cinéma dans le centre là. A priori lui il était fermé quoi. Et Cherbourg en Cotentin, oui.
C'est là où j'ai été en début de semaine. Lundi, mardi, mercredi. Par contre, le logement, qu'est-ce qui était bien? Logement super et un Airbnb. Et si propre. Oh. En vrai, c'est rare. Hein. En vrai, c'est rare que vous preniez une location et que ça soit si propre que ça. Hein. Vraiment, c'était nickel de chez nickel. Un ancien pote qui vivait là-bas. Ah! Bah, ça, c'est bien pour quelques jours, mais je pense qu'il y a vu tout... il vit toute l'année, ça doit être l'enfer. Je pense qu'il vit toute l'année, il n'y a vraiment pas grand-chose, quoi. Désolé. Et on était à la Cité de la Mer. Et la Cité de la Mer, c'était vachement bien. Et d'autant que les trucs qui étaient exposés n'étaient pas du tout cheap. C'était des trucs interactifs, c'était assez recherché et tout, c'était... Vraiment, c'était bien. Par contre, il y avait... La jolie glotte. Non mais je baille pas, c'est vous qui baillez. Par contre, ouais, il y avait vachement d'attentes pour visiter le sous-marin. Et du coup, on n'a pas visité le sous-marin. On a fait l'expo sur le Titanic. Et on a fait la Cité de la Mer, quoi. Mais rien que ça, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Bon, il y avait des gens, donc c'était relou, mais... Voilà. On n'y peut rien. Hein. On n'a pas pu privatiser tout le bled. Sinon, on l'aurait fait. Ouais, ça, pourquoi ramasser ? Sa vieille tête là. Est-ce que vous pouvez appeler Avorpal dans le chat s'il vous plaît? Vous l'appelez là. Vous mettez son nom dans le chat plein de fois. Faites Avorpal, 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 Avorpal. Ouh. Avorpal. Ouh, tu es. Ah non, Arthur. J'irai te chercher. Où tu vis? Je sais pas où il est. Ah, merci. Voilà, désolé, toujours en vie. Hein? Quoi? J'espère que tu t'es pas transformé en Jack Nicholson à la fin. Quoi? Jack Nicholson, quoi? À la fin de Shining, il est tout gelé là, il a une tête de mec gelé. Ah, non, he's ok. Par contre, je t'ai balancé une tête, moi. Ah, tu savais ce qui venait derrière? J'écoutais, ouais. Ok, et l'autre, il a l'air d'être plutôt un astronome. Il a une carte des étoiles derrière lui. Un peu plus près des étoiles. Who guides our journey by starlight? Who forges the ancient? Du coup, ça te parle à un astronome ou... Yam en train de regarder. C'est quand j'aurais dû te décrire ça avant de me barrer. Ah. Glasber, je crois que j'ai trouvé. Brightest mind studied lore long lost and forbidden.
You discovered how to navigate out of this frozen waste using the power of the moon and stars. Who are Barry's unlikely friends? Who defy our king until his reign? Ok, alors j'ai une scène avec un mec qui est en train de fouiller dans un coffre-fort, il trouve un livre bleu, je crois qu'il y a le portrait, je me demande si c'est pas le portrait du prince, puisqu'il a une tête de lion sur la tête là, et il y en a un autre en fait qui a l'air de vouloir tuer un garde, il a une dague dans le dos et il s'apprête à tuer un garde. Ok... tête de lion, je l'ai en face de moi, on peut tester. Après, c'est le portrait qui est au-dessus du coffre-fort, hein. Ça veut pas dire que c'est lui, mais... Je pense pas que ce soit lui, parce que lui, il a l'air de dire « Ouais, à ceux qui veulent s'enfuir, vous devrez me passer sur le corps. » Ok, je regarde ce que j'ai d'autre. Il défie notre roi jusqu'à la fin de son règne. Peut-être l'alchimiste, celui qui fouille dans le coffre ? Ah oui, parce qu'il parle de connaissances interdites tout à l'heure. Peut-être que c'était dans un coffre. Bah, test, hein, l'alchimiste, pourquoi pas, ouais. Et par contre, faudrait un soldat qui aurait pu avoir trahi. Une discipline, puis l'influence défiant socialement, affichant toujours un comportement digne d'une princesse, a été envoyé au monastère pour prendre les vertus de la modestie et de la décence. Ouais, l'alchimiste, il dit « Je ne me soucie pas vraiment des gens ordinaires. » Ma flèche d'alchimiste leur servira de joue et le pouvoir des énergies arcanes que j'invoque maintenant. Ouais, je pense pas que ça soit lui, mais on peut tester quand même. Mais il faudrait un autre mec, donc le traître là avec la dague dans le dos qui va attaquer un soldat du roi. J'ai Rudolf le bouffon, conseiller du roi. Alors il est conseiller, mais un magouilleur et un filou. Certains disent que c'est un fou, d'autres prétendent que son intelligence est sans égale. Son ambition lui a valu la confiance du roi. Ils sont inséparables. Quel secret chuchote-t-il à l'oreille de notre seigneur ? Non, celui-là on l'a déjà mis. Ça c'est au tout début là. Ah oui, exact. Et sinon, on a Catherine, la princesse, fille cadette du roi Bartholoméus. Elle est indisciplinée depuis l'enfance, défiant et sociable, affichant toujours un comportement indigne d'une princesse. Elle a été envoyée au monastère pour apprendre les vertus de la modestie et de la décence. Ouais. J'ai le garde du roi. Mais lui, on disait qu'il était hyper loyal au roi. Ouais, c'est sûr, c'est pas lui. T'as rien à propos d'un livre bleu, un truc qui pourrait être convoité, je sais pas. Non, ça me dit rien. J'ai l'abbé, il est obsédé par les cieux, ce qui se trouve au-delà, priant et chantant avec dévotion, cherchant la vérité et le pouvoir. Il a pris la princesse Catherine comme pupille pour essayer de lui enseigner la chasteté.
Oula, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je vais t'enseigner la chasteté. Mais ça me semble pas être ça. Là, vraiment, bah en fait, faut trouver des gens qui pourraient avoir trahi facilement, quoi, mais qui restent combattre, en fait. Qui sont les amis improbables de Rockbury ? Rockbury ? Qui défie notre roi jusqu'à la fin de son règne. Attends, fille aînée du roi Bartholoméus, elle a perdu son mari Valdemar au combat, ce dont elle accuse le roi. Son chagrin l'a conduite à disparaître dans les bois pendant des jours, ses vêtements sont couverts de boue et de crasse lorsqu'elle revient. Oui, je ne suis plus une victime, mais je me bats. Ah ouais, ça pourrait être elle, ouais. Nay, our greatest heroes seek to undo the crimes of their family. They who will not wear the crown are its fiercest opponents. Ceux qui ne veulent pas porter la couronne sont les plus farouches opposants. Ouais, donc l'alchimiste c'était pas bon, mais ça on le savait. Donc là, faut en trouver un deuxième de la famille éventuellement royale, mais qui a pas voulu porter la couronne. Bah, le petit, le prince là, celui de comment il s'appelait déjà le Yann, un noble prince qui aurait fait un grand roi. Il est mort au combat avant d'avoir pu accomplir sa destinée. Il aimait s'asseoir sur le trône et prétendre être roi, même lorsqu'il était enfant. Tous ont pleuré sa mort, mais plus aucun, mais aucun plus que le roi et la reine. Ah ouais, c'est peut-être pas ça, ouais. Bah, ça serait l'autre sœur, du coup, Catherine, qui est indisciplinée, tout ça, et Ah, vas-y, teste, hein. Ça pourrait être ça, ouais. Elle est là. C'est elle. C'est elle. Oui, c'est clairement elle, ouais. The king's own daughter flows against our sovereign, though he knows it not. They wish to undo their father's crimes against our people. Ah, their souls be blessed. Their rebellion is our greatest weapon. Coucou. You are a friend. Enter. Il y a des trucs qui bougent dans tous les sens, mais je sais pas trop où. Ah oui, d'accord. T'as trouvé ? Tu me vois pas là ? Coucou. Ah non, t'es où ?
Sous l'oiseau, je couve. Ah, ok. Confessez vos péchés, mon fils. Alors, je connais les établissements comme ça où il y a des trous dans les murs. Et c'est pas les confessionnals, hein. Ah, il va falloir me montrer, mon fils. Est-ce que ça t'embête si on s'arrête là? Non, non, moi ça me va parce que Jessica va dormir là, donc parfait. Parfait. Et bah, on s'arrête ici. La musique te guidera à la maison. Qu'est-ce qu'il raconte? Je l'ai repris en... Enfin, j'espère. J'espère. Ok, bon. Heureux. Heureux. Bon, on a bien avancé, là. Ouais, on a mis du temps sur le premier quand même. Ouais, bah écoute, mais dans tous les We Were Here, il y a des énigmes où on galère un peu plus que d'autres, hein, c'est pas grave, c'est la vie. Ouais, bah tiens, au fait, on en est à combien? 22%. Attends, je t'envoie une invite. Ça me ferait trop marrer que ça soit 22% vraiment. Hein. on fait 11% à chaque fois. Ouais. Tu l'as eu ou pas l'invite? Ouais, j'arrive, j'avais quitté le jeu. Ah ok. Down. 29. Ah ouais. Tu vois, on a fait mieux. Ah, je te vois partir. Ah, c'est rigolo, en fait, sur mon truc, je te vois partir. Et bah, d'ailleurs, en parlant de ça, des bisous YouTube. À la prochaine. Évidemment, on continuera avec Avorpal. Prochaine fois. Yeah.